développer ces sujets-là. Donc la transformation numérique, en réalité, alors la transformation numérique aujourd'hui, un petit peu vous partagez probablement de tous les jours. Pascal Anne, impact sur nous. Je suis très content d'être ici et puis je voulais vous remercier pour votre présence. Technologie. Et maître, vous aviez des procédures, casier judiciaire, la procédure voyage ou au client. Qui fait quoi? C'est quoi cette valeur ajoutée? C'est qu'avant ça durait. Alors, est-ce qu'au moins alors, vous avez le courage de me donner votre nom, ce qui est transformation numérique. Il est très numérique. Nous voyons les Algériens avec leurs smartphones, les applications. La transformation numérique est très importante dans l'administration, dans le bonouk, pour nous aider. Il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, ça peut aider au niveau de la circulation, ça peut aider au niveau de l'éducation, ça peut aider au niveau de la santé. أني موضوع يعني الساعة هو التحول الرقمي للترانسفورماسيون نيميريك للآن كل المواطنين وكل كذلك المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين يتحدثوا على الرقمنة وذلك من خلال تطبيقات وتسهيلات لحياة المواطن في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية الصحية والخدمات كذلك ممكن كذلك أعلن رسميا أنا في الأسابيع القادمة إن شاء الله سوف يتم إطلاق الدورة 12 لمسابقة نجمة الإعلام للصحفيين التي ينظمها أوريدو منذ 2007 ورايحة تدور يعني دائما الإشكاليات حول الاقتصاد الرقمي